Carla Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et de civilisation latino-américaine ici à l'Université Bordeaux-Montaigne et vous venez d'éditer un ouvrage d'Augusto Roa Bastos dont vous allez nous préciser un peu la particularité car il en a une fort intéressante, une édition donc de Yoel Supremo. Alors, vous êtes une spécialiste reconnue de cet auteur et c'est vrai que on le connaît, son œuvre a été au programme des concours, notamment de l'agrégation d'espagnol. Mais on connaît un peu moins bien la littérature paraguayenne. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un petit peu en ces termes? Oui, alors donc c'est vrai que Roa Bastos, c'est l'auteur le plus connu de ce pays-là. Alors pour une raison très simple, c'est qu'il a vécu pratiquement toute sa vie d'écrivain en exil. Donc d'abord en Argentine, il est parti en 1947, il faut savoir donc qu'il avait 30 ans, il est né en 1917. Et donc au Paraguay, il était journaliste, bon, il s'occupait de culture, etc. Et il y a eu donc une sorte de coup d'État et l'arrivée d'un militaire fasciste, hein, c'était un peu la période. Et donc il est parti très vite s'exiler à Buenos Aires, en Argentine, où il est resté jusqu'en 1974. Et le fait d'être en Argentine, finalement, il y a produit toute son œuvre la plus connue. D'abord des contes qui sont très très intéressants, qui sont publiés dans plusieurs collections, souvent repris avec des variations. Donc ils sont des années 60-69, on va dire. En 1960, il a publié son premier roman, qui est « Hijo de Hombre », « Fils d'homme ». Donc, ces romans sont traduits en français, ils ont été traduits assez rapidement, publiés chez plusieurs maisons d'édition. Et surtout, il est connu parce qu'en 1974, il a publié « Yoel Supremo », mais la version, donc le roman. Donc, c'est un des grands romans de la dictature. Il y en a plusieurs, hein, donc Carpentier en a un, García Márquez a aussi El Otoño del Patriarca, et lui est arrivé avec ce roman qui à l'époque a fait sensation. Et en 1974, donc c'était amusant parce que les Argentins ont élu ce livre, livre argentin de l'année. Donc c'est assez amusant puisque l'auteur était paraguayen. Et donc récemment, Piglia, l'auteur argentin, a publié des journaux, donc Diarios de Emilio Renzi, en plusieurs éditions. Et à travers ce qu'il a écrit, on a eu confirmation en fait de la place qu'occupait Roa Bastos dans ces années 60-70 en Argentine. Donc l'Argentine qui vivait un peu dans la tourmente politique. Et lui, en fait, il y avait beaucoup d'échanges entre artistes, intellectuels. Et par exemple, il a fait partie du groupe de Piglia, hein, à l'époque. Donc, Daniel Balderston a publié plusieurs articles qui montrent qu'en fait, ils avaient des lectures communes. Et ces lectures communes, on les retrouve dans les deux œuvres. Et l'autre écrivain de l'époque pour qui Roa Bastos a aussi été important, avec qui il a noué une relation d'amitié, c'est Saer, qui s'est également exilé en France, tout comme Roa Bastos. Donc Roa Bastos est arrivé en 1976 à Toulouse, puisque bon, il y a une dictature militaire rude en Argentine, donc il est arrivé à Toulouse en 1976 et il y est resté jusqu'en 1996. Mais donc ce roman, il est arrivé avec ce roman dans ses bagages et toute la notoriété que lui a apporté ce roman. Alors juste préciser qu'ici, cette édition aux presses universitaires de Bordeaux ne sont pas, ce n'est pas Yoel Supremo le roman, mais donc c'est publié dans une collection théâtre qui donc a cette particularité Horizon Création. Donc c'est une collection qui en fait est faite à quatre mains. Donc on a à la fois l'aspect universitaire, critique, et puis des œuvres de créateurs. Donc là on a publié la pièce de théâtre de Roa Bastos, puisqu'il y a un Moi le Suprême, Yoel Supremo théâtral, qu'il a écrit à partir de 1989, donc à Toulouse, publié une première fois en 91, puis republié en 1998 avec des variations, parce que le contexte politique était différent.
Donc ici, on a en fait reproduit sa pièce de théâtre de 1998 avec des notes, hein, c'est une édition critique, qui montre en fait les différences entre les éditions. Et on a également la chance, parce que c'est un texte inédit, de publier le livret de la mise en scène, parce que cette pièce de théâtre a été donc jouée à Asuncion en 1991. Et donc on a récupéré un peu par miracle ce livret, donc qui est inédit, hein, que ce soit en Amérique latine ou en France. Et donc on a joint ça de 2-3 études critiques ainsi qu'un article un peu particulier qui a été publié au Paraguay, qui maintenant est un peu introuvable, que j'avais dans mes photocopies jaunies de jeunesse. Qui, en fait, c'est Roa Vastos qui donne son avis. Il a assisté à une des mises en scène. Donc la pièce est restée à l'affiche à peu près un mois. Elle n'a jamais été remontée depuis. Donc il a assisté comme spectateur. Et puis il a écrit un très très beau texte, en fait, pour donner son opinion et surtout remercier. Il était très, il était vraiment ravi de ce qui avait été fait par cette troupe de théâtre. Bon, puisque vous parliez de ce livret de mise en scène, est-ce qu'il a des conditions particulières d'élaboration? Il a une histoire notable? Oui. Alors en fait, l'idée de monter cette pièce de théâtre, elle suit un chemin assez sinueux. Juste rappeler rapidement que le Paraguay a vécu plusieurs dictatures et une très longue dictature, la plus longue dictature d'Amérique latine avec Alfredo Stroessner. Alors Stroessner, de sinistre mémoire, il est arrivé par un coup d'État au pouvoir en 1954. Donc Roa Vastos était déjà en Argentine. Donc il en est parti de ce pouvoir qu'en 1989. Donc toutes les dictatures du Cône Sud étaient terminées, que ce soit Argentine, Chili, Uruguay, et le Paraguay restait avec son Stroessner. Donc il est parti et a débuté ce qu'on a appelé une transition démocratique. Donc en fait, à ce moment-là, beaucoup d'exilés sont rentrés, et parmi ces exilés, il y avait donc Agustín Núñez, qui est metteur en scène, artiste, etc. Et Núñez s'était exilé en Colombie, où il avait une troupe de théâtre, il a monté plusieurs pièces, dont Pedro Páramo de Rulfo. Il a aussi monté une pièce à partir d'une œuvre de García Márquez, donc très intéressé en fait par tout ce qui était réalisme magique et comment finalement ces procédés de la littérature pouvaient être transposés par des formes fantasmagoriques sur une scène. Et puis, donc, ce Agustín Núñez, qui est quelqu'un très très connu hein, au Paraguay, puis en Colombie du coup, qui est sa deuxième patrie, qui est un homme très très intéressant, très très cultivé, voulait monter en fait le premier roman de Roa Vastos, qui est « Hijo de Hombre ». Et Roa Vastos venait en fait, c'était 89-90, et Roa Vastos était en train de travailler sur cette pièce de théâtre à Toulouse. Et il lui dit, mais écoute, en fait, voilà, je viens vraiment de publier une vraie pièce de théâtre, qui est ce Yo el Supremo, moi le suprême, donc je te donne le livret. Donc ce n'était pas encore édité, hein, c'était en train d'être traduit, puisqu'il existe une traduction française. Et donc Agustín Núñez s'est réuni avec d'autres personnes importantes du théâtre latino-américain et paraguayen. Et ils ont décidé en fait de partir de cette base-là, mais ils l'ont trouvé extrêmement complexe. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des choses qui les ont intéressées. Ils se sont documentés, ils ont pris énormément d'ouvrages d'histoire, et puis ils se sont beaucoup servis de la tradition orale paraguayenne et du mythe, parce que ce moi le suprême, c'est en fait un dictateur, c'est le premier dictateur de l'histoire paraguayenne au XIXe siècle, c'est José Gaspar Rodríguez de Francia, donc un nom à rallonge qui a été réduit en le suprême, el supremo, parce que ça traduit en fait une expression guarani, qui est le caraïguassou,
hein, donc le grand maître, le suprême, etc. Donc le guarani, qui est l'autre langue officielle du Paraguay, on pourra en reparler un peu. Et donc, ils se sont retrouvés, hein, comme ça, avec tout ce matériel. Et donc, c'est une femme, c'est Gloria Munoz, qui a écrit, hein, qui était chargée, elle, d'écrire, mais à partir, d'échanges et d'une écriture de plateau qui a été collective. Donc, il y avait Núñez, Miguel aussi, les acteurs, elle, et ils ont vraiment travaillé sur cette idée. Bon, c'est notre grand mythe, le suprême, c'est notre premier dictateur. Donc, c'est un dictateur lettré, hein, du 19e. Et sa particularité, c'est qu'en fait, donc, le Paraguay faisait partie de ce grand territoire qui était sous domination espagnole, avec l'Argentine, l'Uruguay. Donc, il faisait partie de la vice-royauté du Rio de la Plata. Et donc, quand ils ont obtenu leur indépendance, ou ont commencé à lutter contre les Espagnols, en 1810, en fait, ce territoire-là, qui correspond plus ou moins au Paraguay actuel, a refusé d'être sous domination argentine. Et du coup, cet homme est sorti comme ça, un peu un homme providentiel, un très très charismatique, ce suprême. Et en gros, il a à la fois refusé d'être sous domination argentine et sous domination brésilienne. Donc l'Argentine, le Brésil et l'Angleterre, accessoirement, étaient ses grands ennemis. Donc autour de lui s'est forgé une espèce de mythe très très puissant, donc pas seulement au Paraguay, hein, mais ailleurs, parce que ça a été à la fois le premier à s'opposer à l'Argentine, et puis aussi le premier, finalement, à revendiquer une identité spécifique pour ce territoire-là. Donc c'est une figure, l'œuvre, que ce soit le roman ou la pièce de théâtre ou le livret, partent beaucoup finalement de l'image mythique que le peuple a gardée de cet homme, qui est double, hein, évidemment, elle est dichotomique. Puisque vous avez évoqué le Guarani, c'est un phénomène, je sais que vous avez beaucoup étudié, ou une manifestation linguistique que vous avez beaucoup étudiée, qu'elle est présente aussi dans le premier roman de Roa Bastos, Hijo de Hombre. Quelle est sa signification dans l'économie littéraire, signification politique, symbolique, esthétique? De quel ordre elle est, cette signification? Alors en fait, Roa Bastos, lorsqu'il emploie le Guarani, hein, c'est, donc il le fait d'une façon très... qui est de plus en plus élaboré, et dans Yoel Supremo il l'utilise aussi, et c'est extrêmement littéraire et élaboré. Donc le Guarani, c'est, au départ, c'était la langue indienne, et c'est resté. Il y a beaucoup de langues amérindiennes, indiennes, autochtones qui se sont perdues, mais celle-là est restée, et elle s'est transmise par la mère indienne. Il y a beaucoup de gens au Paraguay qui n'ont pas une goutte de sang indien, mais qui le parlent, hein, donc c'est dissocié. Et dans la littérature, c'est toujours associé à l'oralité. C'est-à-dire l'espagnol va représenter le monde de l'écrit, le monde hérité de la culture occidentale. Et lorsqu'apparaissent des phrases ou des mots en guarani, chez lui, mais chez d'autres écrivains aussi, ça renvoie à l'oralité, au mythe, à la tradition. Donc il y a une rencontre qui est très intéressante. Donc lui, il y a une élaboration qui est extrêmement travaillée, hein, puisqu'il l'intègre complètement. Et puis on finit tous par croire qu'on est bilingue, hein, parce que c'est très très bien fait. Donc c'est l'univers oral, légendaire, mythique. Et par exemple, Angel Rama, le grand critique uruguayen, qui a fait une réflexion très très importante sur tout ce qui est la transculturalité, le transculturel, est parti de deux auteurs, donc Arguedas, le péruvien, et Roa Bastos. Il les prend comme exemple pour travailler ça. Et dans l'œuvre de théâtre, le guarani est présent. Donc cette langue, sa signification politique, elle a toujours été très forte à travers l'histoire. Par exemple, lorsque le Paraguay a été en guerre contre l'Argentine et le Brésil, la guerre de la Triple Alliance en 1865, en fait, les messages importants, les messages codés, ils étaient transmis en guarani. Et la nation s'est affirmée, par exemple, à travers des journaux qui étaient publiés en guarani. Il y a eu beaucoup de journaux en guarani. Donc ça, c'est resté pendant toute la dictature de Stroessner. Et donc, lorsqu'il est parti, il a été renversé en 89.
le premier président, donc il a été renversé par son, plus ou moins, donc en fait le père de son beau-fils, donc ça restait dans la famille, le général Rodriguez. Et quand le premier président civil a été élu, donc le Paraguay a refait une constitution, qui était une constitution démocratique en 1992, et il y a plusieurs articles qui traitent du Guarani, de la culture Guarani, et l'un d'entre eux, donc, instaure un nouveau statut pour cette langue qui jusque-là était langue nationale et l'espagnol était la langue officielle. Et depuis 1992, en fait, le Guarani est aussi langue officielle au Paraguay. Donc c'est un cas unique en Amérique latine et très intéressant. Voilà. Bon, puisque voilà, vous avez fait proposer un point historique très, très complet et très précis et qu'on a aussi un peu évoqué... dessiner la dimension mythique de l'entreprise. Et comme vous venez de terminer sur une législation plus ou moins récente, est-ce qu'on peut justement enchaîner sur l'actualité de cette œuvre, l'actualité locale au Paraguay et l'actualité universelle de ce texte? Alors, local au Paraguay, c'est un peu... Enfin, l'actualité en général de cette œuvre, bon, c'est qu'elle pose... Elle traite de grands mythes de l'humanité, dont le mythe du pouvoir absolu. Bon, après, ce qui est aussi omniprésent, c'est comment fonctionne une société dans l'enfermement. Donc c'est vrai qu'il y a toute la mise en scène est travaillée autour de ça, d'un monde qui est enfermé, qui tourne sur lui-même. Donc évidemment, on ne peut que penser à la pandémie, ce qu'elle a provoqué partout dans le monde et ce qu'elle a provoqué dans la culture également. Et puis, bon, ce qui reste présent et omniprésent, c'est la façon dont est traitée la mort dans cette œuvre, la mort, la vie, les procédés qui sont employés. Et une sorte de... Il y a une revendication politique de la démocratie et un message très fort, politique également, et omniprésent, politique, morale, philosophique, enfin tout ce qu'on veut, en faveur, on va dire, d'une sorte de paix. Qui ne peut exister que dans la démocratie, un message contre la violence et contre toutes les formes de totalitarisme. Et donc ça, pour moi, ben, ça reste d'une très très grande actualité, que ce soit au Paraguay ou ici. Merci beaucoup. Merci à vous.